Surprise! Non, 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 Travis! T'as volé la caisse de Nakai-san? Tu cherchais une base nickel, bien équilibrée. Tu l'as? Regarde. T'as volé sa caisse? Hé là, je suis pas un voleur. Nakai a vu ton travail. Et il est venu me trouver. Il est intrigué et moi je crois que je peux le convaincre de venir. Mais pour ça... il faut que tu te penches sur son meilleur projet. Sinon, je vois pas de quoi vous allez parler. Alors, voilà le marché. Il faut que t'ailles faire un tour avec, pour savoir ce qu'elle a de si spécial. T'as jamais dit que tu le connaissais, Travis? Oh 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 oh! Nakai, Obama, le Dalai Lama! Vous avez fait du bon boulot. Mais là, c'est autre chose. Celui qui n'a jamais dompté la bête restera toujours un apprenti. Tiens, va t'instruire. Moi d'abord. On se voit après, ok? Oh, il faut travailler tes réflexes. Thank you.
J'ai analysé les runs un par un. Dans l'ensemble, c'était bien aussi. À part les deux ou trois coups de pression avec les flics. Continue comme ça. On se capte à l'occasion. Salut. Thank you.
C'est maintenant que tout va jouer. Regarde toujours loin devant, soigne le boulot, et ça se passera bien. Allez. Maintenant à ton tour. Juste un truc, on raye pas la peinture de Nakai-san. T'inquiète pas, c'est des gens tout à fait normaux. C'est bizarre. Ils viennent de m'appeler, il y a quoi, 2 minutes? Oh ah, je le crois pas. Trop mignon. Regarde. Je vais vous transformer en saucisson! Ok, ok, je me rends. C'est Cook qui a eu l'idée. Ah, sérieux? Des masques de cochon, c'est quoi le message? Ouais, on a décidé que ce serait toi qui paierais les pizzas, qu'est-ce que tu crois? C'est à eux que je voulais te présenter. Salut, mec. Je t'ai vu à l'œuvre, tu déchires. Je te confirme. Ouais, mais si tu veux vraiment rouler avec ces gars, tu dois encore faire tes preuves. Faire souffrir ton châssis. Ouais. Voiler tes jantes. Aller au rupteur et ruiner tes pneus. Ouais. Tu te sens à la hauteur? Allez, viens, Robin. Assieds-toi.
que vous alliez vous faire coincer là-bas. Oh, c'était dingue. On était sur l'échangeur et là, ils ont débarqué en douce dans des voitures banalisées, tu vois. Il y avait des flics partout. Je suis d'accord avec Travis. Tu te ranges sur le bas-côté, tu paies, tu pars. Les points, on les récupère en ligne de toute façon. Ouais, une amende, c'est rien. Mais avec plusieurs délits, tu te retrouves direct en prison. Ouais, ou bien alors, tu peux toujours semer les flics si tu sais t'y prendre. Avec une vieille caisse dans ce genre-là, tu plonges dans un parking et pff, tu disparais. Tu rigoles? En moins de deux, ils t'envoient l'hélico. Le soir même, tu fais l'ouverture du 20h et t'implores ta maman de bien vouloir te pardonner. C'est vrai. Ce genre de type-là, ils attirent les flics. Il faut éviter le centre-ville. Moi, j'en fais un principe. Vous avez jamais eu envie de les semer? Juste pour voir si c'est faisable? Pas vraiment, non. Dis-moi... Tu roules avec quel crew ces temps-ci? T'as pas intérêt à nous baratiner? Relax, mec. Relax, pas besoin de les chercher. Ce sont eux qui te trouvent. J'en ai vu arriver avec des bagnoles de retraités. Et pff, ils te scotchent au feu et ensuite ils disparaissent dans la nuit. C'est Robin. Il paraît qu'il se passe des trucs à Southport. Avec, devine qui, les risques et les villes. Tu viens? Ça va déchirer. Interdit de dire non. À toutes.